Bonjour et merci de regarder cette vidéo sur Framboise 314. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un multimètre numérique automatique, le HT118A, qui a 6000 points de mesure, donc ce qui est assez intéressant au niveau précision. On va commencer par le déballage. Donc, il est arrivé dans une boîte en carton rigide. Elle a pris un petit écrasement sur le dessus, mais à l'intérieur, il n'y a rien à bouger. Quand on ouvre, on va trouver déjà la notice. Alors elle est en anglais, cette notice, complètement en anglais. Vous en avez une photocopie dans l'article. Et puis on va trouver le multimètre lui-même emballé dans un sachet plastique. Voilà, c'est un appareil qui tient bien dans la main. Il a une coque en silicone autour, donc c'est un boîtier en ABS. Et on a une coque de protection en silicone. Et dans ce carton, on va trouver les fils des sondes, donc les pointes de mesure, et un thermocouple avec lequel on pourra mesurer la température pratiquement jusqu'à 1000 degrés. Alors, les pointes de sonde, elles sont bien protégées, on a bien juste la pointe qui fait la mesure. Parfois, on trouve des sondes avec 1 ou 2 cm de découvert, ça c'est un peu dangereux, je trouve. C'est assez ferme quand on change de gamme de mesure. À l'arrière, on a un support qui permet de le poser sur une table, sur un établi. Les piles sont dans un compartiment fermé par une vis. Alors cet appareil nécessite deux piles de 1,5 V au format AA. Elles se mettent facilement en place, hein, c'est le système tout à fait classique. Et on referme le boîtier à pile, simplement en remettant la vis. Là, je vais enlever la protection de l'écran. Vous voyez qu'on a juste une gamme volt, une gamme millivolt, une gamme hertz, et en fait il n'y a pas de sous-gamme. Hein. C'est lui qui va se débrouiller pour trouver la bonne gamme de mesure en fonction de ce que vous allez lui appliquer. Donc on a pareil pour les milliampères, les microampères, les ampères. Et puis là c'est pour mesurer, pour chercher, on va dire, les fils conducteurs dans un mur par exemple. Alors le bouton fonction va permettre de modifier le courant alternatif ou le courant continu en appuyant simplement dessus. Donc pour faire une mesure, vous vous mettez sur les volts ou les millivolts et vous appuyez sur fonction pour passer en courant continu ou courant alternatif. On peut aussi mesurer des seuils de diode et puis des condensateurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça fait clignoter en fait les deux entrées qui vont servir pour faire la mesure. Donc ici je suis en, voilà, là, je me suis mis en millivolt par exemple, il faut que je branche les fils sur ces deux entrées là. Là je me suis des fois fait couillonner avec mon ancien voltmètre et bon, il y a eu des fusibles à changer par exemple. Ah, donc là si on se met sur milliampères, on a bien la bonne gamme qui s'affiche. Là je vais me mettre sur 10 ampères et vous voyez qu'on a bien les deux entrées des 10 ampères qui s'allument. Alors à l'intérieur, on a deux fusibles qui protègent quand on mesure du courant. Donc on a un fusible de 10 ampères et un fusible de 600 milli qu'on peut remplacer en ouvrant simplement le boîtier. Alors pour ouvrir le boîtier, il faut enlever la coque en silicone. Il faut commencer par un coin du bas. Au début, c'est un peu rigide, un peu dur, et puis après, ça s'enlève tout seul. Voilà. Et pour le remettre, il y a une encoche tout autour du boîtier dans laquelle l'entourage en silicone va venir se clipser et qui le maintient bien en place. Alors là, c'est la sonde de température. On va regarder comment ça fonctionne. C'est un thermocouple. Donc c'est une soudure de deux métaux différents.
quand c'est soumis à une température, ça va générer une tension et on va mesurer en fait cette tension pour la convertir en température. Donc là, je la mets en place. Dans la pièce, il fait 19 degrés. Si je touche avec les doigts, ça va monter à 20 degrés. Ça monte un peu. Et puis là, je vais souffler dessus maintenant. Vous voyez, en soufflant de l'air chaud, on va faire grimper la température. Et dès que j'arrête de souffler, ça redescend. Le temps de réponse est très court hein, de ce genre de thermocouple. Et on est revenu à 19 degrés. Alors quand les sondes sont livrées ou même quand vous les rangez, on peut protéger par ce petit bouchon. Voilà, je me mets sur la gamme volt, continue. Je vais par exemple mesurer cette pile de 1,5 V. Vous voyez que c'est très lisible, on a une plage de lecture, pas de 180 degrés, mais pas loin en fait, hein, qu'on soit pratiquement parallèle à l'écran, on arrive à lire. Et s'il fait trop sombre, vous avez un bouton qui permet d'allumer le fond d'écran. Donc là, je passe en détection avec ce petit détecteur qui se trouve sur l'avant. On va détecter les lignes électriques. Vous voyez là, sur l'interrupteur, forcément, ça s'allume. Là, je suis un fil et je retrouve le fil à l'intérieur du mur. À chaque fois qu'on va passer devant une ligne électrique, la lampe s'allume et puis ça bip. Ça permet de localiser dans un mur la position des fils. Voilà, je mesure simplement la fréquence du secteur avec un seul fil, ça rayonne assez pour mesurer la fréquence. Et au-dessus, on a le rapport cyclique. Donc, comme c'est le secteur, c'est 50%. Là, c'est un potentiomètre. Je vais mesurer sa résistance aux extrémités. C'est un potentiomètre de 5 kΩ. Et la gamme s'ajuste toute seule et il trouve les 5 kg. Et en bas, vous avez une barre de défilement. Vous avez un afficheur analogique, entre guillemets. Alors là, j'allume le fond. Et il y a une LED devant pour éclairer. Si vous êtes dans une armoire électrique où vous ne voyez pas très bien, ben vous pouvez éclairer. Alors j'ai sorti, alors c'est pas simple de mesurer avec les prises actuelles, donc là j'ai sorti le secteur sur un fil dénudé. Vous voyez que quand on dépasse 80 volts, le fond s'allume en orange. Ou en rouge, enfin bon, rouge-orangé. Et donc ça vous indique que la tension est élevée. Et puis là, donc c'est le détection du fil chaud, donc la phase. Comme ça, vous pouvez repérer votre phase. Voilà, mise sous tension, il y a tous les symboles qui s'affichent. Et puis donc, comme c'est une coque en silicone, vous pouvez ranger les sondes et puis vous avez un trou d'accrochage au centre. Et vous pouvez ranger les sondes sur le boîtier lui-même. Voilà, puis là, on a la valeur des deux fusibles que vous pouvez remplacer en cas de pépin. Voilà, ben je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le multimètre HT118A. Et puis, je vous dis à bientôt sur Framboise 314.